là-bas, j'ai tout quitté. La traversée avec Kalapani, encombrée de frissons, de pleurs, de souffrances, a conduit mes pas écrasés sur ton sol meurtri. Ô Guadeloupe. Pendant près d'un siècle, la présence indienne en Guadeloupe, et je dirais dans les Antilles françaises, a été totalement ignorée par les intellectuels, les écrivains, les artistes. On ne parlait des Indiens qu'à l'occasion de faits divers. Midden in de Atlantische Oceaan liggen de twee Frans-Caraïbische eilanden Guadeloupe en Martinique. Sinds 1635 zijn beide eilanden onderdeel van de Franse overzeese departementen. De bevolking op beide eilanden bestaat voornamelijk uit nazaten van Afrikaanse slaven en contractarbeiders uit Zuid-India. Na de afschaffing van de slavernij in 1848 werd door de Franse overheid het tekort aan mankracht op de plantages op beide eilanden aangevuld met Indiase contractarbeiders. Dit in navolging van de succesvolle Britse recrutering. Tegen het eind van de 19e eeuw werden er ongeveer 25.000 Indiërs naar Martinique verscheept en 44.000 naar Guadeloupe. De recrutering vond plaats in de door Frankrijk bezette gebieden Pondicherry en Karaikal in Zuid-India. Les émigrants indiens en arrivant ici étaient considérés comme des étrangers. Ils revenaient de l'Inde et l'Inde était sous domination britannique. Par contre, l'immigration indienne avait déjà commencé 10 ans plus tôt vers les autres îles anglaises de la Caraïbe. Alors que Martinique Guadeloupe étaient des colonies françaises, cette immigration a pris une autre tournure. Parce qu'ils étaient tous considérés comme des étrangers. Je disais que dans l'histoire de la présence indienne, il y a une période difficile pour les Indiens, c'est le siècle écoulé entre 1854 et 1946. Pendant ce temps-là, il faut savoir que la présence indienne a été très discrète. Elle était d'ailleurs essentiellement rurale et l'Indien n'avait pas les moyens de traduire sa présence dans ce pays parce que, de toutes parts, les interdits étaient forts. Sur l'habitation sucrière, il était cantonné avec des interdictions de pratique, notamment au regard de sa religion hindouiste. Il ne venait pas dans les bourgs parce que les relations n'étaient pas faciles. Donc cette présence discrète ne s'est pas traduite dans la réalité du pays, ni au niveau économique à l'époque, ni au niveau culturel. De plantagehouders op Guadeloupe en Martinique hadden grote invloed op het Franse bestuurlijke systeem, waardoor zij zich gesterkt voelden om hard op te treden tegen de slaven. De nu 91-jarige bekende Caraïbische schrijver M.E. Césaire, die vele boeken heeft geschreven over de Franse koloniale overheersing, spreekt zeer duidelijk over zijn bewuste beleving van zijn afkomst. Je suis de langue française, je suis la culture française, mais je sais très bien.